Ouais, j'entends, ouais. Et voilà, vous le voyez en direct, les mecs, le retour de Bobby. Wow. Ouais. Attends, laisse-moi faire un petit tour vite fait. Ah bah ouais, c'est bien de bien se éclater. Quoi? T'as dit quoi, là? Bah j'ai dit que vraiment, mon style, il est éclaté, genre. Nique ta mère, pétasse. J'ai pas de maman, elle est morte. Bah je m'en bats les couilles, connasse. Une balle. On y va! Suivez le bistop de Riri. Oh la balle à bord. Mais t'es gênant, mais viens sur la place. Arrête. Mais c'est allez, pas, t'es niqué. C'est allez, pas t'es possible bien d'avoir deux. C'est pas possible d'avoir deux filles. T'es haché, t'es haché, mec. Voilà. Mais viens là. Mais là, il y a une plateforme. Mais je vais serrer, dites-lui, les gars. Les gars, dites-lui, s'il vous plaît. Allez, 2-0. Allez, ferme ta gueule maintenant. Voilà, allez, voilà, mais t'es gênant, mais tu putain, grosse merde! T'es niqué sur ta plateforme, voilà, tu vas aller venir, je t'ai niqué. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Tiens, espèce de grosse merde, gros. T'as deux de plus, je m'en ai sur la plateforme, tu sais pas faire, t'es une grosse merde, gros, t'es une grosse merde. Oh là là, c'est une dinguerie, t'es une grosse merde. Je te défonce au ski, oh, c'est regarde. Un truc de fou, gros, j'ai 13 ans, gros, je suis plus intelligent que toi, gros, j'ai tout en mieux que toi, t'es une grosse merde. Mais bon, bah les couilles, j'ai même pas besoin de build tellement t'es nul, regarde. Ta gueule, gros, parle pas, t'es un putain d'outil, c'est une dinguerie. Oui, pardon. Et t'es torse nu, donc c'est ça, pas trop RP. Je savais pas, mais regardez, depuis tout à l'heure, il m'écrase, il me tire dessus pour rien. Je te tire dessus pour rien? Tu dis torse. Attends, tu m'as enlève dit... ta musique de Tectogay là, s'il te plaît. Pourquoi vous l'avez écrasé, les gars? On l'écrase parce que frère, il est pas mal avec sa bouche, l'enfant. Allez, bon jeu. Non, mais qu'est-ce qu'il fait, lui, hein? Il met deux gros fuck avec la tête, je m'y attendais trop pas. Parce que selon le code pénal et celui-là, t'as le règlement devant toi ou pas? C'est en latin par contre, tu risques de pas comprendre. Non, non, mais vas-y, explique ça. Alors, c'est les tatatum temporis sur l'usufruit du jus de fruit. Donc en latin, en gros, ouais, je sais pas si tu comprends, alea iacta es. Non? Bon, en même temps, non. Pas étonnant, une fille qui ne sait dire que dinguerie en haut de vocabulaire. Mm. Bon, allez, ça va aller pour cette fois. Je te retourne en scène, bon jeu. Ouais, salut. Bah, t'as la douche, Marina? Oui, je suis sortie de la douche, je suis propre, je sens bon. Pas comme toi. Bon, arrête, commence pas, sinon je te vire, je te me sens pitié. Hein. Pas comme moi? Pourquoi tu me balances des trucs comme ça, méchant? Parce que, je sais pas, tu te plains, t'es en train de dire que toute la journée t'es fatiguée, tu fais des trucs, tu devrais pas faire ça, qu'il te faut une femme, machin, etc. Mais de toute façon, t'es à la retraite et t'as que ça à branler. Donc pourquoi oh, tu merde, te plains? Oh merde, dégage! Mais comment ça? Dégage. Non, toi, ta gueule, pareil, ta gueule, toi, ta gueule. Vous faites chier. T'as pas l'air, toi, tu vis chez papa, maman, ça se trouve en ce moment, là. Tu te laisses vivre. Tu te laisses vivre. Tu travailles en télétravail. Quand t'auras mon âge, que t'as fait la carrière professionnelle que j'ai fait, aller sous les locomotives à 8h30 du matin, sous le temps. Mais oui, non, mais t'es conne ou quoi, dans le froid? Mais je sais pas, et alors, mon père, il a fait la même chose toute sa vie, hein. Tu vas arrêter de chialer, c'est un boulot d'homme aussi. Soit un beau d'homme, soit tu l'es pas. Ferme bah ouais. Enfin, à un moment donné, faut réfléchir aussi. Soit t'es un bonhomme, tu portes tes couilles, tu as travaillé dans le froid, dans le vent et. Ouais, je t'entends, ouais. Et voilà, vous le voyez en direct, les mecs, le retour de Bobby. Ce n'est pas une rediff, ce n'est pas une IA, les gars, c'est vraiment le retour de Bobby. Oh, c'est super ça, non? Première journée. Je vous en prie, s'il vous plaît, vous avez une âme de femme. Une âme de mère. Oh, bah c'est la pire. Bobby, oui. Qu'est-ce que t'attends pour lui répondre? Non, mais pas à Panard. Il a un panard ou quoi? Oh putain. Ah bah, deux en un. Bah alors toi. Attends, laisse-moi faire un petit tour vite fait. Ah bah ouais, c'est bien de bien se éclater. Quoi? T'as dit quoi, là? Bah j'ai dit que vraiment, mon style, il est éclaté, genre. Nique ta mère, pétasse. J'ai pas de maman, elle est morte. Bah je m'en bats les couilles, connasse. Ouais, bon, t'es venu pour un ticket, il est là, c'est déjà pour toi. Tu veux quoi? Bah je sais pas, t'es bizarre un peu. Comment ça, t'es bizarre? Bah t'es bizarre, frère, parle normal. Ah, réponds, t'as fait un ticket. Quoi? Y'a des manières de parler. Oh, vas-y, tu me dis ton ticket, sinon tu vas en jail. Frérot, il te manque des dents ou quoi? Non. J'ai quelque chose dans la bouche. Bah, t'as quoi dans la bouche, mon ref? J'ai ta chatte. Par contre, peut-être la de ton daron, peut-être. Ouais, tu vas en jail ou quoi? Ça s'appelle le petit normand. Bon, d'accord. Alors, le petit normand,
notre cher ami Baptiste, une de ses créations. On l'écoute, voilà le bon lancement. Mon Fais voyage, un truc super long, s'il te plaît, qui dure une heure. Faire une balade sur la corniche et découvrir les paysages. Mon souhait le plus simple. Non, non, et que j'ai mangé, j'ai mangé des huîtres avec des perles. Non, non, attends, c'est ça. Ouais, mais alors ça, je vais te dire, Baptiste, c'est pas une chanson, t'apprends une de mes chansons. C'est ce qu'a fait la fille du soleil. T'as coupé. C'est ma chanson. Ça y est. Bon, ce que t'as fait, c'est que t'as rien innové du tout. T'as simplement chanté une de mes chansons. Donc t'as rien fait de nouveau. Hein. Ah, bah voilà. Ah, puis tu commences à chanter. Bah voilà. Pour un jour. Bah non, mais c'est bien. Ajoutez bien. L'artiste comme ça, tu vois, la Starac. J'ai pas donné de nom encore pour l'instant. C'est une inspiration d'accord. qui m'est venue comme ah, ça. D'accord. Et je voudrais que tu me dises ce que t'en penses. La vie, voyage, chemin, certain. L'avance, recul, certain. Haut, bas. Rire, les larmes, jong, table, c'est tellement lumière, ça en plus. Maintenant, subis Manu ce qu'on subit maintenant. Il a raison d'un côté de le faire. Hein. Il fait trop ça, mec. Il le fait trop bien. Je peux dire ce que j'en pense. Simplement, il y a trois choses que j'aurais dû dire qui viennent à l'esprit. C'est que des fois, tu parles, mais c'est pas clair dans le sens que. C'est pas clair dans le sens que tu parles, mais c'est. On comprend pas ce que tu dis. Et j'ai l'impression. Ouais, Shakira, attends, entre la gauche, entre l'extrême gauche et l'extrême droite. On sait rien, je veux pas te voir sa gueule. Bah non, elle est mignonne. Oh ouais, non, mais t'as. Non, mais. Oh là là. Oh, je vais dégueuler. Viens là. Oh putain, je vais dégueuler. Il y a vraiment du porno sur Cinéfrance frisson à ce temps-là? Au moins un film de 1900, combien? Attends. Ouais, bah 1929, alors t'es... bientôt, t'es sûr de pas avoir de bonus? Comptage 5 étoiles, 3 étoiles. Putain, 3 étoiles. T'es sûr de pas avoir de bonus? Ah non, j'aurais pas ça, mais c'était... Mais ça! J'ai pris un appartement, j'ai tout refait bien chez moi. J'ai acheté un four, un frigo, tout. Une télé E15 QLED. T'as même toi, tu l'as pas la télé. Elle vaut 1500 boules. C'est la télé qui est faite pour la PS5. Pour elle est trop conne d'acheter un QLED. Max, pour que ça fasse 120 FPS et pas 60 FPS. Mais toi, je te parle en FPS, tu dois pas connaître. Normal la gameuse. Parce que la PS5, elle diffuse des FPS. Mais elle est con. Une 30 pouces, ça marche pas, ça va faire bugger les FPS. Il va avoir des décalages parce que sur Fortnite, il y a plein de PC. C'est-à-dire ça va ramener et tout. Moi, je suis une joueuse Fortnite de base, tu vois. C'est quand même une E15. C'est une E15. T'as rien. Vous, chez vous, il y a une chaise, une table, un matelas. C'est pire que la rate, voilà. Même au Habs, ils sont mieux. La tête de ma mère. Moi, chez moi, j'ai tout. Moi, j'ai la Xbox Series X, j'ai la PS5, j'ai la manette Edge. Juste la manette, elle te refait 250 balles. Et t'as quoi à dire pour ça? Capitale du Brésil. Bah, c'est le Brésil, je crois. Je sais plus parce qu'entre-temps, j'ai fait un AVC. Du coup, j'ai perdu la mémoire. Mais avant, j'étais très calé en géographie. Capitale de Londres, on va voir si elle sera. Peut-être qu'elle va répondre. Capitale de Londres. London. Il me semble. Si je ne m'abuse. Y'a pas d'arme? Ah bah mais t'es où toi? Viens m'aider. Mais viens m'aider. Viens m'aider sale chien, t'es en train de laguer fils de pute va. Je te vois marcher dans le vent fils de... Je te vois laguer au fond là ce fils de pute. Ouais c'est là-bas, il faut faire de la diagonale là, putain de salas. J'ai une torche d'un noble. Mais non. Mais nique ta mère! Je me suis fait broyer par les... C'est bon, t'as touché, je peux remettre ma chemise? Parce que t'as vu, ils sont pas très... pas trop de matière, quoi. Alors, ouais. Si vous voulez pas que je fasse des demandes de sanctions assez rapidement, je vous demandais du coup de garder une tenue appropriée, merci. Ils se plaisent! Vous plaisez avec votre chérie! C'est normal! C'est comme si je touchais les pecs... Trop de Moussa et oui, voilà, c'est un bête scientifique, c'est de chez les monsieur, c'est pareil. Ziz. Dans tous les cas, Moussa il a 11 ans, vous avez 11 ans, il a 11 ans. Problème, jeune gens. Ah ouais, mais on a souvent joué à des pipis en 11 ans, c'est là. Je d'ailleurs, vous trompez, vous méprisez. Nous, en Afrique, on a trafiqué les papiers. Comme Apu Laïdel. Hee hee hee!
tu te rappelles, je t'avais dit que j'étais en train d'écrire une ébauche pour un slam. D'ailleurs, tu m'as inspiré, je te remercie. Ah bon ? Ah bah, merci ! Écoute, allez, c'est voilà, mais quel chanteur ! Le trans du soleil. Le trans du soleil. Je vais vous raconter sa vie. Un peu transsexuel, pas comme Emmanuel. J'aimerais renifler sa petite rondelle et la faire monter au septième ciel. Les noirs et les bis, je les préfère dans un bateau. Loin de mon pays, dans un rafio. Je suis un artiste aux multiples talents. Je donne du bonheur aux gens. Bonne élocution. Ils veulent copier mes chansons. Mais ils rigolent. Ils se foutent du monde. Compris ? Bien à vous. Mickaël, plus rien. Tu peux dire ce que je pense ? Oui. Ouais, c'est original, mais j'ai l'impression d'entendre mes expressions, ce que je dis. C'est un peu curieux, quoi. Ce que j'aime bien, il y a une chose que j'aime. Oula, le glavio, là. Attends, il se fout de ma gueule là. Non, mais c'est dégueulasse. Je dis pas qu'il a ravalé. Putain. Du contenu de l'acheter machin là, ok. Ah, t'as envie de vomir quand tu sais jamais, de toute façon, toi. T'as une grande gueule, tu sais jamais ramener le siphon. Tu t'es pas fait niquer depuis des années. Tu dois avoir des toiles d'araignée où ça va coller, les lèvres inférieures doivent coller. Elle doit être soudée maintenant, tellement que tu baisses jamais. Ouais. Ouais, par contre, ça va pas le faire, on entend tout ce qui se passe chez toi, gros. On entend une meuf parler. Ouais, désolé. Ouais, non, mais c'est notre radio. C'est ma queen. Ouais, mais c'est pas normal que tous les autres joueurs subissent ça, en fait, tu comprends ? Passe-la moi, je vais la parler. Bon, écoute-moi, meuf, là. Je vais pas fermer ta gueule, là. Il est en CNRP, en fait, on entend ta gueule, là. Femme d'achat. C'est bon, elle a fermé sa gueule. Et je tourne la tête, je vois, il y a un gars, il est en train de se barrer avec mon speedo. Du coup, s'il y a moyen que vous pouviez faire quelque chose. Ah, tu l'as pas fermé ? Bah, normalement, si, tu vois. Bah, non. Tu l'as fermé ou non ? S'il l'a pris. En fait, c'est pas moi. En fait, j'étais en train de ranger avec mon collègue, tu vois, mais mon collègue, il s'est barré. Du coup, je sais pas ce qu'il a fait avec les speedos, tu vois. Mais gros, on peut rien faire, nous. Hein. Mais pourquoi t'as pas fermé ta voiture alors ? Mais c'est pas moi qui gérais ça. Oui, bah, vas-y, bref, je me démerde, c'est bon. Trude balle, il lui a dit. Il manquait ça. Allô. Ouais, c'est toi qui a fait un ticket ? Non, pas du tout, je n'ai pas fait, malheureusement. Un ticket ? Ouais. Oh, ouais, mais c'était il y a longtemps. J'avoue, c'est un bouffon, lui. C'est pas grave. T'es étonné que tu sois ami avec une star ? J'ai vu monter tout à l'heure, il y avait le bouseux sur ton live. C'est qui t'appelle le bouseux ? Je sais pas de qui tu parles. C'est un youtubeur. Mais tu parles de qui ? Le youtubeur qui est monté juste avant. Le bouseux. Ah non, mais j'ai pas de bouseux, je sais pas de qui tu parles. Non, c'est pas boutouneux, c'est une... Quand tu m'as parlé de boutouneux, je savais pas de qui tu parlais. Là, je pouvais pas te répondre avec toute la bonne volonté que je me faisais. Alors, moi, j'ai un cadeau pour toi, Manu. D'accord. Soir. J'ai fait un rap hommage à Manu. Ah bon ? Pourquoi moi ? Ça alors ? Bon bah vas-y. Bon, bah. Le slam, vois-tu ? C'est pas un truc de gros pé. Plutôt me faire enculer que rapper comme Emmanuel le Poké. J'ai les cheveux crépis comme la façade de mon immeuble. Et avec mon yab, je te refais le visage comme un mauvais porn. Je prends une bonne gorgée, elle est bien profonde. Comme mes chansons que je chante sous les ponts avant une agression moribonde. Je suis Manu, le petit Manu, Manu le Toqué. Je slame pour les opprimés, les artistes et les retraités. Oui, mais sauf que moi je suis pas le comme t'as dit Manu ou le quoi, je me sens pas concerné. T'as dit des choses qui ne correspondaient pas avec ma personnalité. Oui. Fabien Vol. Eh salut. Il t'aime pas, je suis incognito là, c'est ta blonde là à côté, man. Non, c'est une petite pute qui me suit. Je vois un niquer sa blonde. Comment tu prends la femme là, et mon homme là. Moi je suis assez aux femmes quand même. Et qu'est-ce que tu es en train de faire, man? Je viens, tu vois-tu Alma? Quoi? Tu vois Alma? Alma, c'est qui ça? Hey man, c'est un Chicoutimi, tu vois pas vers où c'est dans le Saguenay? Ah, Alma, ouais! Hey, je viens de là-bas, je suis rendu de là-bas, et toi? Je suis rendu! Je suis de Trois-Rivières. C'est la fin de la vidéo, et t'es tout triste? Mais t'inquiète pas, on revient très bientôt pour du nouveau contenu. Alors pour cela, active la cloche, hein, et tu seras au courant des prochaines vidéos. Et abonne-toi surtout. Lâche un pouce bleu, ça fera plaisir à Riri. Allez, à ciao, bon dimanche. Suivez le bistop de Riri.